Et encore une fois, moi je sais qu'il y a des gens, ils m'aiment pas parce que je suis direct, je suis un peu direct, je suis rentre dans le tas quoi. Je suis brut de fonderie. Moi je dis ce que je pense, je suis désolé. Je le dis à ma manière, donc des fois c'est un peu cru, ça peut faire mal. Je m'en excuse si je blesse des gens, c'est vraiment pas le but. Mais pour moi, encore une fois, la vidéo de Z1, pour moi, vraiment, quand un mec fait partie de la stream team, qu'il a été sub dans une team pro et donc il a touché de l'argent aussi, qu'il a bien touché de l'argent grâce à Paladin, toutes ses vidéos et tout, il s'est donné, il n'y a pas de souci là-dessus. Paladin lui a beaucoup apporté, il a apporté beaucoup à Paladin, ça marche dans les deux sens. Mais ensuite, venir chier à la gueule et se faire passer par la victime, je trouve ça très moyen, perso. C'est moi le plus faible de leur team et le level 70? J'ai pas vu du tout, Stallo. Préparez-vous au Tu dis combat. tout haut ce que les gens pensent tout bas. Bon, il y a peut-être moyen, hein. Moi, tu sais, après, je me suis jamais pris une beigne pour faire fermer ma gueule. Peut-être qu'un jour, ça m'arrivera, hein. Mais encore une fois, moi, je suis vraiment pas du genre à fermer ma gueule, quoi. Donc, je sais que ça peut me porter défaut, mais c'est pas grave. Merci beaucoup, c'est moi, Hector, pour le premier. Merci beaucoup, ça fait très plaisir. 5, D'ailleurs, les Zalres peuvent ban IP joueurs sans 3, aucune raison. Les ban IP, c'est interdit en Europe, je crois. Moi, je peux faire largement quelqu'un d'honnête plutôt que quelqu'un qui se cache. Ouais, après, il y a des gens qui disent que je suis pas honnête. Après, je peux plus rien faire. Si les gens pensent que je suis pas honnête, je pense qu'ils devraient mieux aller regarder un autre contenu, quoi. Moi, en fait, ce que j'aime pas, c'est quand on dise du caca sur moi. Ça, c'est juste un truc qui m'insupporte un peu. Qu'il y a des gens qui osent dire du brin sur moi. Quand ils me connaissent pas, en fait, quoi. Par contre, on s'est fait wipe de ouf là, non? Enfin, on s'est fait wipe. On a une Kinessa. Ah, mais c'est As qui joue. Bah oui, Kinessa sur cette map, bien sûr. je viens de voir qu'on avait une Kinessa. J'ai pas mis beaucoup de temps. Merci beaucoup, Hésiode, pour le PROMIER. Merci beaucoup, ça fait très plaisir. Bien joué ça. Ça retouche pas? Ah bah non. Ah bah, Unlucky. Ah oui, on s'est fait faire caca dessus un petit peu. Bon, après, je parle beaucoup, je vous avoue. Mais c'est bien, moi j'aime bien parler de sujets comme ça. Hein. Moi, vous savez, j'aime bien parler. Hein. Après, je suis pas allé dans la backline, j'aurais peut-être dû aller dans la backline un peu avant. Ah, mais allez, merde! J'aurais peut-être pas dû dash comme ça. C'est même sûr. Bah, chelou alors pour Easy Office, il s'est fait ban IP sans raison. Est-ce qu'il a eu la preuve qu'il s'est fait ban IP à Oxys? Et sans raison, il y a toujours une raison, tu sais, même si toi il te dit pas un truc. Merci beaucoup, Madness Razax, pour le follow. Même si toi il te dit qu'il n'y a pas de raison, il n'y a jamais pas de raison. Encore une fois, il y a des gens, bah, ce qui est logique, hein. Généralement, tu n'assumes pas quand tu as fait une connerie, quand tu as insulté, quand tu cheats, quand whatever, quoi. Tu ne te fais pas ban sans raison, en fait. Il y a forcément quelque chose. Bah non, c'est pas un dead game, juste ça demande pas mal de connaissances, du coup, c'est peut-être niche. Moi, je trouve que justement, le jeu essaie de faire venir d'autres genres. Mais bien sûr, non, non, mais actuellement, moi, je trouve la stratégie de Paladin bien, entre guillemets, dans le sens où le jeu compétitif ne reviendra pas. Ou alors, s'il revient, c'est vraiment, enfin, ça va pas être la PPL, quoi. Et en fait, il y a plein de gens, pour moi, ils se mettent un voile sur la face et ils se disent vraiment, ouais, ça va revenir, tranquille. Alors que pas du tout. Là, actuellement, la stratégie de Hi-Rez en tant que studio, pour moi, est bonne. Dans le sens où ils essayent de venir faire venir plus de joueurs casu. Sachant que le jeu est composé à 95% de joueurs casu. Et derrière, bon, je vais taper Luna. Et derrière, bah, t'essayes d'attirer des joueurs casu pour qu'ils dépendent d'argent pour que le jeu soit rentable, en fait. C'est ça le but. Mais, partie du principe, les amis, que les ranked ou les scrims, les tournois communautaires, mais ça représente rien du tout par rapport à la player base. Ça représente rien du tout. Mais malheureusement, il y a plein de gens qui sont un petit peu délusionnels là-dessus et qui sont en mode, mais si l'Union se rend pas compte, on est trop team à faire des scrims et tout ça, c'est trop bien. Non, ça représente vraiment rien. Encore une fois, si vous kiffez faire ça, let's go. C'est le but, hein. C'est le but, hein, de faire ce que vous kiffiez, hein. Ça là-dessus, je suis d'accord avec vous. Mais faut juste pas se voiler la face, quoi. Donc quelqu'un dit du brin, une seule solution. Philippe, le zoo du cash. Moi, de ce que je te regarde, je le vois quand t'es pas un mauvais gars. Bah, en fait, moi, je pars de ce principe-là. Tu vois, les gens, entre guillemets, qui me chient à la gueule, mais qui me connaissent pas, je trouve ça dommage. Je pars du principe, entre guillemets, même si vous êtes jeune, vous êtes des grands garçons ou des grandes filles. Et entre guillemets, vous logiquement, vous êtes capable de juger de vous-même. En fait, essayez même de manière générale. Vous entendez quelque chose sur quelqu'un ou vous voyez une information quoi que ce soit, essayez d'aller voir par vous-même ce que vous en pensez vous. Parce qu'il y a des gens, malheureusement, ils sont très influençables. Tu vas dire machin, c'est une grosse merde. Et ben eux, dans leur tête, ça va être ah bah oui, l'Union il a dit que machin, c'est une grosse merde, donc c'est forcément vrai. Bah non, pas forcément, tu vois. Et c'est ce qui s'est passé avec pas mal de gens avec le El Famoso Drama.
qu'on m'a mis comme quoi j'étais un égoïste manipulateur, que je voulais que le succès de moi-même et je pense pas aux autres. Et du coup, il y a des gens vraiment, ils ont arrêté de me suivre, ils étaient en mode ah ouais, en fait, c'est vrai, l'unium, ouais, il est vraiment comme ça. Les personnes ne sont jamais venues sur mon live, tu vois. On a voulu faire un V1, la game se lance, il tire puis un stand ban, et c'est comme ça sur chacun de ses comptes. Bah, Auxis, encore une fois, hein, apparemment, le ban IP est interdit en Europe. À lui de faire tout ce qu'il veut, réclamation. Il est peut-être hardware ban, hein, sinon, hardware ban, je crois que ça existe par contre. Hein. Donc, il est peut-être ça. Et du coup, à chaque fois qu'il crée un compte sur son PC, bah du coup, il est cuck, quoi, tu vois. C'est fort possible, ça. Bah, je sais plus ce que je voulais dire. Merde. Et gégé ! Je vais là-dedans ! Ah, merde ! Merde, j'avais mon ulti, mais je pensais pas. J'ai stack comme un gros porc. Oui, il a un cheat et EAC le détecte. Ça peut être ça aussi, ouais, tout à fait. Il ne faut pas juger sans connaître. Ouais, exactement, mais on est beaucoup dans la vie à juger sans connaître, je pense, malheureusement. Moi, le premier, ça peut potentiellement m'arriver de juger sans connaître, alors qu'il faut vraiment pas. Et encore une fois, hein, les gens peuvent avoir des préjugés sur vous, sur pas mal de choses. Ok, j'ai pas pu faire mieux. Ah, dommage, c'est trop bien joué de ça, c'est trop bien joué de leur part. Je vais pouvoir retoucher, malheureusement. Et non, faites-vous votre propre avis surtout. Coucou docteur, pardon, excuse-moi, comment tu vas? Par à gauche avec Tash, tu seras largement plus utile. Ouais, très clairement, bah là je parle et je me focus pas trop sur les gamins, ouais. Beaucoup jouent une personne sur la connette, t'as beaucoup trop de personnes qui font ça, ils pensent par eux-mêmes. Ouais, c'est ça, c'est ça. Moi je juge par rapport à ce que je vois et perso, c'est tout. Ouais, et tu fais bien, gros, malheureusement. Si je suis obligé de le rappeler entre guillemets, c'est parce que il y a ce qu'on appelle des influenceurs et en fait, tu le vois partout. Ce phénomène de croire ce qu'on dit sur parole, c'est grave, tu vois. En fait, il y a des fois, par exemple, il y a des. Par exemple, sur un resto, je dis une connerie, mais j'ai vu ça sur un stream il y a pas si longtemps. Je sais plus sur qui c'était en vrai. Et d'ailleurs, la plupart des streamers, ils essayent de dire bon, je dis pas quel resto c'est, blablabla. Mais en fait, si vous voulez, il y a des fois un streamer, un créateur de contenu qui a une mauvaise expérience dans un resto. Il dit le nom, il dit l'endroit. Et en fait, toute sa commu va faire une review bombe du resto en mode. En mode ah c'est le pire resto machin et tout, alors que les gens ils sont jamais allés, tu vois. Et je trouve ça honteux en fait, parce qu'il y a un resto, il peut être détruit à cause de ça de nos jours, quoi. Il peut être détruit à cause de ça de nos jours, le resto. Donc j'ai une attente de fou. Les serveurs ont des problèmes ce soir, je pense, hein. Liam, t'es un manipulateur, on en a l'exemple tout à l'heure. Quelqu'un voulait jouer strict en te regardant car tu es un influenceur. Ouais, bien sûr, je suis un manipulateur. Drolax, serais-tu adepte de Saint Thomas? Je ne crois que ce que je vois, bien. Yom, quand j'ai lancé, j'ai plus mes points multi. C'est bugué en ce moment, les points multi, il faudra attendre. Je crois qu'il y a un fixe demain pour ça, justement. Ok. Il suffit d'une mauvaise journée pour se taper une mauvaise répute, c'est fou. Ah bah maintenant, de toute façon, avec... alors comment ça s'appelle? Je suis plus sûr des termes, mais la cancel culture et tout ça, c'est horrible, entre guillemets. C'est ça qui est difficile aussi en tant que créateur de contenu. Je le répète souvent, hein, mais... en fait, tu... Moi je pense être moi-même, mais il y a des trucs que je sais que je peux pas me permettre de dire que je pourrais... Comme je vous dis souvent, on peut plaisanter tout, mais pas avec n'importe qui. Bah c'est pareil en fait. Il y a des sujets que tu ne peux pas vraiment aborder avec du public parce que ça peut être retourné contre toi ou quoi que ce soit. Donc quand t'es une personnalité publique, faut faire attention. Mais ça marche pas que pour les streamers, hein. Ça marche pour les politiques, pour les célébrités, les stars ou tout ce que tu veux, c'est pareil. Et depuis quelques années, les réseaux sociaux sont tellement importants que... Bah c'est ça quoi. Re Mathieu. Eh mais t'as investi dans une lampe stylée. C'est pas une lampe, c'est un logo. Je juge Lulu, c'est un gros nounours rempli d'amour et de plats faire par madame. Exactement. Je voudrais être un nounours moins gros. Quand même, un T4. Ça serait cool, mais... C'est pas faux. Non, mais oui, mais ça fait de la lumière, mais c'est... Mais c'est pas... J'aime pas qu'on dise que c'est une lampe. C'est pas une lampe de chevet, quoi. Alors là, j'ai... Ok. On a réussi à défendre, let's gong. Ah, je suis mort par Luna. T'as quand même beaucoup de jeunes qui sont comme ça. Après, oui, j'ai conscience que certains adultes comme ça, mais c'est pas ouf. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, les jeunes sont très influençables, hein, bien sûr. C'est pour ça que les créateurs de contenu, souvent, on les appelle des influenceurs.
Et c'est pour ça qu'on leur demande de faire des OP pour dire le jeu il est bien, let's go. Pas ma game. Oh, c'est pas ma game non plus. C'est pas ma game. Allez, je vais prendre motive. Quand j'ai lancé, j'avais plus mes points motivés. Est-ce que tu sais, c'est normal? Bah, justement, je t'ai dit que c'était un bug, tes fils. À moins que j'ai relu deux fois ton message, dans ce cas-là, je serais un gros con. Mais c'est un bug. Les gens aujourd'hui, on n'en a plus rien à foutre de la présomption d'innocence, base de la justice en France, et moi, ça me dégoûte. Je peux comprendre, je peux comprendre. Moins gros, t'es plus proche de Grand que de Makoa, donc ça va. Oui, mais j'aimerais être plus proche de Cassie, quoi. 3. Les vieux aussi sont facilement influençables. Oh que oui. Oh ouais, Kagan, t'as raison. En vrai, je suis d'accord avec toi. Salut petit Ozzy, comment tu vas? En vrai, c'est vrai qu'on a tendance à dire les jeunes sont influençables, mais y a pas que les jeunes. Hein. En vrai de vrai, y a pas que les jeunes. Hein. Y a un peu de tout âge. Hein. Tu sais, on sait pas trop ce qui peut se passer. Merde, je voulais faire mon ultime. Y a des gens, qui sont plus jeunes, moins jeunes et qui seront tout autant influençables. Quoi. Ça dépend de pas mal de choses. De casser ou ça sent l'OPT? Non, non, ça sent juste que l'année prochaine faut que je fasse vraiment gaffe quoi. Parce que en fait, même pour ma santé, tu vois, j'ai pris trop de kilos dernièrement et tout, et je me sens pas bien dans mon corps quoi. Oh merde, j'ai pas réussi. Oh, quoi? Ok, elle a fait son ulti, c'est parfait. C'est parfait ce que j'ai fait. Enfin, parfait. Je suis allé sur la IO, j'ai fait mon taf. Hein. Le poing. Le poing, les amis. Si tu veux donner un roux. Oh, plutôt, je pensais plutôt à Edsvelt, quoi. Oh là là. Oh, le kill là, comme ça, pour pas qu'elle reach, c'était trop beau. Je suis trop fier de moi. Ah, il est mort lui déjà. Joli wall d'Inara, j'ai pas fait attention. Oui, oui, si, si, le wall d'Inara était cool. Hop. Eh bien, moi, je fais bien mon rôle of tank là, non, je crois. Je suis pas trop mal, hein. Par contre, j'ai le nez qui me gratte. Oh là là, mais Coco, tu m'as régalé, Coco. Coco, tu me régales là, mais tu le dis pour pas que je meure. Vraiment. Ça, c'est un bro, Coco. Le bro, Coco. Par contre, la Inara, elle commence à me saouler, elle est où? Ah, bah, elle est là. Grok, il est musclé. Bah, ouais. C'est ce que je vais devenir. Musclé comme Brock. Faites pas quand même, merde. Oh, dommage. Si j'avais réussi à bum comme ça, ça aurait été insane en vrai. Oh là là, j'ai trouvé. Non mais attendez, c'était trop bien. J'ai même pas fait exprès de faire ça, c'était trop stylé. Brocoli. Je suis un brocoli? Non, peut-être pas, mais... Manger des brocolis? On aura peut-être pas non plus, mais il faudra peut-être. Hein. Brocoli, en fait, des fois j'aime bien, des fois j'aime pas. Je sais pas comment vous expliquer. Je vais mourir! Je suis pas mort pour le moment. Slide the wall, ouais, j'ai trop bien, c'était trop marrant. En vrai, 2022, j'ai grave envie de tenir un rythme de sport. Bah, moi aussi. Et non pas un rythme de porc, ça c'était 2021. Mon rythme de porc. Pas mal ça. Oh d'accord, mais là, oh, je me suis pris la sauce là. En vrai, tu vas avoir les mêmes pecs que Rome. Non, peut-être pas. Salut pirate, comment tu vas? Une game Makoa après? Je pense pas. Je pense pas Makoa. Je sais pas ce qu'on va faire après. En termes de game, je parle. Les personnes âgées, elles font facilement voir sur internet. Ouais, Facebook et les messages du genre je suis un prince qui a 1 million d'euros. Je vais vous donner 100 000 si vous m'aidez à passer l'argent. Mon papa a failli se faire avoir sur ça, hein, pour vous dire. Mon papa a failli se faire avoir sur ça. Et heureusement, il m'a appelé. Papa, il m'a dit, Maxime, en fait, le problème, c'est que il joue sur un petit peu le... Ouais, le... Moi, par exemple, mon papa, quand ça s'est passé, c'était une période où, vraiment, financièrement parlant, c'était la merde. Financièrement parlant, mon père, il était au bord du gouffre. Il venait de se faire opérer. C'était très, très compliqué, quoi. Donc, on a pêche. Trop bien. On est trop fort. Donc je peux comprendre quoi, je peux comprendre. Brocoli avec une bonne recette, ça le fait. Ouais, bien sûr, faut la bonne recette à côté. En fait, si vous voyez Queen, Zenlove, elle a une petite frayeur en rentrant. Bah, il y a rien de grave, j'espère, docteur. C'est là, c'est technique. Bah, en fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à tout pour. Enfin, il y en a, ils abusent de la confiance d'autrui, quoi. Il y a des gens, en fait, c'est ce qu'on appelle ne pas avoir de race. Hein. Salut, Toro, comment tu vois? Il y a des gens, ils ont juste zéro race. Hein. Le point de capture. Le premier qui dit je joue mal mon heal octogone direct. Bah je sais pas, tu pues la merde un peu. Non, je sais pas, en fait, la game je la joue mais comme un robot. C'est-à-dire je vous parle et je sais même pas ce que je fais dans la game. 5,
J'ai pas les légumes, je sais pas bien, mais bon. Bah, c'est. Octogone Ulu. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Merci Kinépi pour le follow, merci à toi. Ouais, ouais, non, non. Bon live à tous, merci beaucoup. C'est très gentil, comment tu vas? Moi en vrai ça me va, là vraiment pour le coup ils ont pas de heal, je m'en fous de mourir, mais je l'ai occupé tellement de temps, aucun problème. En gros, Carrefour, il y a une lumière qui clignote genre flash et comme elle est photosensible, elle a une petite crise. Oh merde! Oh merde, merde, merde! Bah j'espère que ça va aller mieux quand même. Ah c'est chiant ça. Bon bah j'espère que. J'espère que ça va aller pour. Ça va aller pour Queen. Hein. Est-ce qu'il y a un ulti lui? Bah ça se passe bien là, je crois que c'est win, hein. Je crois que mon zoning était insane à la fin. Au début j'ai vu la merde, mais des bisous Drew, bonne soirée, merci pour les games, c'était cool. Oui, la victoire. J'ai vu une chaîne sur ça, les gars sont prêts à empêcher des enfants de manger pour piquer l'argent. Ah non mais y en a, c'est ce qu'on appelle des gros fils d'eux, hein. Des bons gros fils, hein. On a fumé les tryharders, on a fumé les tryharders, on est trop fort. 102 000 de protect, c'est énorme, non? J'ai pas genre protégé tout le monde. 8, 11, 15, 74 000 de dégâts, je fais plus que Stalo. Ah ouais, Stalo, c'était pas ta game, hein. C'est pas ma game. En vrai, je sais pas. Les joueurs de H, c'est pas trop mal ce que j'ai fait, je pense. Je pense j'aurais pu avoir plus de dégâts, par contre. Je pense j'aurais pu avoir plus de dégâts, mais je trouve j'ai fait des trucs pas trop mal. Genre, en fait, ma game a été crescendo. On parlait de beaucoup de choses, j'ai pu la merde, on parlait un petit peu moins à la fin. Je me suis focus, j'ai fait des bons ultis, des bons zonings sur la IO. Quitte à mourir, je la zonais bien, donc c'était grave cool. H, c'est un 9 tank que j'aime bien, bizarrement. H, un 9 tank que j'aime bien, je suis pas très tank, mais H, je trouve le perso super intéressant. Elle peut être jouée dans pas mal de maps. Bazar, c'est sa meilleure map, je pense d'ailleurs. Mais ouais, son ulti peut être vachement clutch. Attention, un ulti can, un ulti IO pour être viré de la zone ou même une moji qui vous graille. Ça peut être un peu chiant, mais perso pas si dur à prendre en main et qui peut être efficace. GG, well played.